contacté compagnon, il a dit compagnon et qu'il a fait un contrat avec elle pour rentrer à Haïti. Ça fait le 28-29 novembre 2017. Compagnie a rentré en décembre. Compagnie a n'est que rentré, directeur Ounia a signé un contrat avec elle. Ouais, directeur Ounia. Vendique, oui, c'est directeur de vente. C'est même pas président. Et Dermalog là? Oui. Oui, exactement. Directeur de vente. Directeur de vente là. Chapitre de vente qui est en Afrique du Sud. Exactement. Pabli, Afrique du Sud là, parle très important dans sa vie. Oui. Donc, directeur de vente là, rentré, il a signé un contrat. Ça veut dire que. Ce n'est pas en question de l'État encore. Non, c'est pas individuel. Directeur Louni avec directeur de vente là. Yosien, et immédiatement Yosien, Yosien en décembre, Yovoyel dans le coup des comptes. Comme si, ministre la Sienne, directeur Oni en Sienne, ministre justice Sienne, ça que tu es plus grave, ça, premier ministre la Fontan Sienne, premier ministre la Sienne en contrat. C'est ministre là ou bien DGA. Mais, l'ICN et au voyel dans le coup des comptes. Il va t'y approuvé après. Oui, il a approuvé, mais l'ICN avant le coup des comptes. Qu'on y a, immédiatement que l'ICN et au voyel allé, le coup des comptes dit que, attention, nous pas bon un rapport d'évaluation de ça que gagné, nous pas fait appel d'offres et puis nous voulons bailler pour technicité. Donc le 11 février, le coup des comptes n'est que, et alors moi si j'ai vite, je vais arrêter sur d'autres, le coup des comptes n'est que dit, je ne peux pas signer ça. Le 11 février, pour des comptes retournés par le ministre de justice. Le ministre de justice qui était ministre fortuné. Quand il y a un ministre là, au lieu peut-être qu'il y ait un document technique là, le ministre a écrit pour des comptes pour dire que c'est un contrat qui concerne la sécurité nationale. Et voici le contrat. Il dit que c'est un contrat qui concerne la sécurité nationale. Et là, on dit ça. Ou alors, dans le contrat, mais ça me tape dit tout à l'heure. Nous, et Eddie Fortuné Sien, Patrick Salomon Sien, comme ministre finance, et directeur Onien Sien, Jacques Dilafonta Sien. Ok? Mais avec des malogues là, et directeur de vente là. D'après là, c'est coup des comptes qui va jamais Sien. Donc, immédiatement que coup des comptes, eh bien, mes côtés, à Olé, il écrit Fortuné pour dire que, justement, les soumettre bah là, il n'est pas approuvé. Maintenant, le 11 février, coup des comptes retourne, eh bien, Eddie Fortuné écrit pour dire que, c'est un contrat qui concerne la sécurité nationale. Donc, vous devez signer. Coup des comptes réécrit encore pour dire non. Même s'il concerne la sécurité nationale, c'est la partie d'appel d'offres. Ou pas, vous devez choisir un compagnon, ou vous devez faire un appel restreint, comme vous choisissez un compagnon. Maintenant, comme l'État, il faut prouver que pour qui ça, que vous avez fait un contrat à 27 900 000, que dépense alors que vous avez signé un contrat en 2012, que vous avez 50 millions déjà, et que c'est à jour pour mettre le. Mais deuxième avis, coup des comptes là. Qu'on y allait, coup des comptes. C'est pour lui, il a demandé 2,9 là seulement. Oui, c'est pour lui, il a demandé 2,9 seulement. Ok. Mais côté qui grave là. Le 13 avril, coup des comptes voyé à Visa. Il dit que. Ah, le 11 avril. Oui, d'accord, je m'en ai. Donc, coup des comptes dit. 2018. Mbapsien. Le 30 avril 2018, ça, président Jovenel directement fait. Président Jovenel fait, regardez, c'est là la violation de la Constitution, il a fait la plus grave. Président Jovenel prend une résolution en Conseil des ministres le 30 avril 2018, côté que lui ordonné à tout ministère, direction générale, pour y acheter tout matériel qui est relatif à système d'identification nationale. Ça veut dire que le président pourra arrêter lui-même, côté lycéen, avec le premier ministre là. Ouais, Jovenel Moïse, Lafontaine, alors tout le ministre responsable, tout. Il a dit que il a autorisé l'ONI acheter matériel. Contre l'avis de la Cour. Contre l'avis de la Cour des comptes. Donc c'est la violation de l'article 136, côté le président est responsable de la bonne marche des institutions. Mais une institution dit que pour ne pas signer un contrat, et le président lui-même lui prend arrêté en Conseil des ministres. Et que dit le contrat? Il dit débloquer quoi? Que dit le contrat? On nous garde le premier article contrat. Contrat qui est toujours en vigueur, démarre avec exécuté qu'on est arrivé. Contrat a dit, Jamona, date d'entrée en vigueur, désigne date à laquelle le contrat entrera en vigueur. La date d'entrée en vigueur est la date à laquelle l'État haïtien aura notifié à Demalog que la Cour des comptes a approuvé le présent contrat. Le contrat qui est en vigueur. L'étranger est correct. Non, mais, n'est-ce pas sérieux, au moins ça, au moins ça, il a modifié. Non, modifié. Que dit le contrat en l'article 4.1? Une tranche initiale de 30% du montant total
sera payé d'avance dès réception de la notification d'approbation du présent contrat par la Cour supérieure des comptes et du contrôle administratif. Donc ça veut dire que yo violé. Mais yo fait ça yo. Yo violé l'article 200. Vous n'avez pas l'on de gestion ta cousé. Et yo violé l'État. L'État devient privé. Et yo violé loi sur passation marché a les mêmes qui dit que dans l'article 4.4.3 la vie. Est-ce que député accusateur, oui, il y a un dossier ça député et au principe on préparer le même jour mettre le chita pour faire ouais toute bagaille ça correct donc on est pas lire ça oui. L'assemblée aujourd'hui vous pral dit m'a voté quand même pas gain violation c'est première fois au compte joindre président Matéli Aristide yo compte jouer les constitutions mais yo compte dire au directeur fait ça quand même il va pas être direct il va pas arrêter mais fois ça président pour arrêter. Acte public. Hein, c'est la première fois que le président pour arrêter en conseil des ministres le 13 avril suite à rapport pour des comptes le 13 avril. Maintenant, à partir de ce moment, il a fait transfert. Il a fait transfert et 2 millions vers non, 8 millions 200 000, les 30% malgré le contrat de Babel, il a fait transfert. Et là, n'a gagné, j'ai écrit à la Cour des comptes, au Valois, m'a baillé tout document que j'ai écrit à la Cour et BNC. BNC dit non que yo fait transfert de 8 200 000 $. Qu'on y a BNC. Le fait que vous faites transfert de 8 200 000 $, mais dit monsieur BNC, vous pas qu'à faire contrat parce que l'acte économique suit l'acte juridique. L'acte juridique c'est le contrat. Contrat dit c'est pas l'État lié BNC, c'est pas privé. Yo dit que pour faire transfert il faut coup des comptes signés. Voici tu as le contrat coup des comptes et coup des comptes signés. BNC dit ah mon cher ça c'est pas l'État, il faut aller demander au client. Ou elle lettre que m'écrit Lambert. Qui client alors? L'État. Qu'on y a m'écrit Patrick Salomon, m'écrit à Joseph Lambert pour me dire que moi j'ai besoin qu'on ait qui route transfert là. Transfert 8 200 000 là. Qui côté là? Alors Lambert lui-même, comme président, écrit pour moi à Patrick Salomon. Il écrit Patrick Salomon, il m'a demandé explication. Il n'y a pas de bonne explication. Parce que le transfert en général de 8 200 000 $ qui fait l'autre bois, il n'y a pas joué un film là directement à, en Allemagne. Intermédiaire. Oui. Il est passé par Afrique du Sud. C'est Afrique du Sud qui voit et Afrique du Sud pas voué tout comme là. Ça passe son filiale qui est là ou bien ça passe Afrique du Sud là? Eh bien, mon. Contrat de vente. Eh bien, pas oublier, en Afrique du Sud, nous avons des autorités qui étaient très influentes en Afrique du Sud. Premier ministre Labotte, très influent en Afrique du Sud. Oui. Donc, comme là, il passe en Afrique du Sud. Et firme là, il n'y a pas joué 8 200 000 là, les 30%. Et on comprend que firme occidentale en général, il y a quand même un degré de moralité. Parce que firme là, il y a un contrat, non même. Il y a un coup de compte passé. Et vous voyez quoi, blabla, il manque. Donc, quand il y a, firme là, il ne peut pas commencer si on ne peut pas adresser quoi, blabla. Et on a pour le 13 octobre, il y a un reste 2 millions de dollars. C'est ça, m'a dit, justement. 2 millions de KB, comme Koutaï là. Même tout, n'est-ce pas, il a extrêmement l'aide. L'on dit, yo, vous, ça veut dire, l'État haïtien, l'État haïtien, même filière. Donc, yo, d'accord, perdu 2 millions, 8 millions. Yo, d'accord, parce que c'est 30% film là réclamé. Ouais. Ok? Film là, pas dit, Bali, 20%, c'est 30%. L'IOE, c'est 6.2 le joint. Qu'on y a, ministre finance là, fait un transfert de 2 millions de dollars. Bagala tellement l'aide, Bona. L'homme écrit ministre finance là pour me dire, est-ce que le vérifier en transfert? Il dit non. Chance pour un Nakaraï, pour une émission le matin, directeur, on y a parlé. Et puis, pendant que je suis parlé, moi, j'ai dit, et puis, moi, dit, directeur, on va parler. On se le bat, on confirmer. Est-ce que vous transfert de 2 millions qui fait? Il dit, oui, il fait. Et puis, après, monsieur, dit, ah, non, pas fini de connaître. Je dis, bon, c'est vrai, c'est important. Il faut le dire, le premier ministre, c'est à confirmer. Il dit, sénateur, moi-même, c'est pas moi qui fais transfert. Cependant, moi, confirmer et moi, demander pour qui ça transfert, ça a fait. Parce que, c'est pas comme ça pour le défaite, c'est 30%, 40% et 30%. Donc, son vol, son question de corruption qui est claire que bon cop galé, bon banque qui fait coûter là. Maintenant, m'écris finance, m'écris BNC pour dire bon mou transfert comme sénateur, j'aime bien mon qui bon mou transfert. Mais nous apprenons ni, parce que celui qui a donné les informations au Sénat, c'est Ligue Bano, on copie de côté transfert passé. Donc, moi, quoi que je dis, ce n'est pas même une question de où tu allé dans la représentativité. D'accord, je dis, si la Tibonite pense un bagaille, il faut m'aller, j'ai la Tibonite pense. Carrément. Mais en même temps, tout, si je lis, il y a parlé de violation de la Constitution, ou a demandé un document, je vais tout document côté du président qui viole la Constitution.
Parce que Jodia, l'acte que le président a posé, c'est l'arrêté demandant au ministre hein, et au directeur général d'acheter les matériels quand même. Ça n'a pas qu'à faire parce que le président, ce n'est pas lui qui a gagné autorisation. C'est la Cour des comptes. La loi sur la passation de marché, l'article 4.4.2, dit c'est lorsque l'avis de la Cour des comptes est favorable que l'ordonnateur peut exécuter le contrat 3 jours après la signature. Donc, son bagage qui est clair, président rentré maintenant, et toute suspicion que portait sous président. Comment fait un contrat, Jamona, pour exécuter, il faut qu'on conseille des ministres, alors que madame ou fait qu'en France, il accuse elle de ce qu'elle y participait, et pour même au conseil des ministres pour autoriser. Donc, bon bagage ou bien la carrière. Bon bagage caché, bon volonté. Bon intérêt ou bien la bagage. Et, bon intérêt. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez, ça qui passe en dialogue là. Gagné 6 900 000 cartes qui ont été faites dans l'autre système là. Dans le système de cartes ça, ouais, cartes identification nationale là. Il a fait 6 900 000 cartes. Système qui vient là, il a éliminé toutes données que nous avons avant. Oui, c'est le pour y'a font l'autre 4. Alors que, vous m'avez, y'a pris 12 ans pour y'a fait 6 900 000 cartes. Mm-hmm. Depuis 2004, y'a fait. Et jusqu'à présent, il y a dit pourquoi j'aime faire 4 là. Oui, oui. Bon, qu'on y a, ou vient l'autre système pour faire 4. Pour recommencer. Normalement, l'élection était supposée en octobre. Mm-hmm. Ou pourquoi on fait 100 000 cartes. C'est ça, Abdullah. Actuellement, nous avons 8 millions d'électeurs. Nous avons 8 millions d'électeurs. Des malades pour que j'aime faire 100 000 parce que depuis le fin de parler de ça, il y a plus de monde qui va le faire 4. Oui, d'ailleurs, oui. la banque pas prend 4 là pour qui ça? Parce que la loi du 1er juin 2005 que nous avons là, la loi a dit pour faire 4, il faut que il y ait référence commune, non? C'est les deux présidents 5, département, zone côte sotia, date de naissance ou et puis le numéro de la carte. C'est ça fait qu'il y a 17 et 17. Mm-hmm. C'est parce que la loi a été ordonnée, mais qui s'est donné dans 4 là. Jodia, 17 chiffres. 17 chiffres. 17 chiffres, oui. Jodia, gon 4 que vous faites. Mais 10 chiffres, il n'y a pas de référence à date de naissance. Ouais. Ni zone, ni rien. Sous prend 4 ça, ou après, que référence au bail pour Gonaïve là. Référence au bail pour lieu côté Mfell là. Département la Tibonite, 1927, date de naissance, tout bail la joint. Et puis le numéro ça. Donc, ça veut dire que mes 4 là, deuxième marché, Mouna. Même gros 4, il est valable, gardez-vous, jusqu'à 2028. Ouais. 2028. Novembre. Novembre 2028. Loi qui l'a, c'est lui qui dit, mais comment vous faites 4 là? Bon, comment vous faites l'autre 4 qui n'a pas gagné ni référence légale, et puis 4 ça, toujours en application. Pendant que vous faites 4 ça, vous avez ça à tout. Oui, étonnement, sénateur. T'as semblé, il rapport que l'institution doit mounir sur. Oui, oui, oui. Il y a 254 000 personnes qui ont déjà gagné 4 là. Oui. Alors c'est ça je dis. Mais c'est 100 000 qui joignent. C'est 100 000 qui joignent. Oui. Dans le système, il y a 250 000. Oui, ça veut dire que le recevoir 250 000. Oui, mais c'est ça, réception 100 000. Oui. À partir de ce moment, qui vient de retourner dans le jeu institutionnel là? Ça a été notre question. Pour le moment, moi, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est un droit de l'homme. Je dis, où est le système qui était là? Que je dis à Yomadia et annulation contrat pour aucun système là, puis on mettait la jour, hein, pour y mettre et ça a demandé là, autour de 3 millions de dollars. Ah oui. Et pour y justement retourner tout rapport yo dans le cours des comptes parce que je dis à cours des comptes, il y a deux avis favorables, il y a tout document dans le Yomadia, où est-ce que vous là devant cours des comptes et puis pour y regarder où l'argent, puis vous connaissez qui est-ce qui fait comme là. Parce que 2 millions de dollars, gros monde qui pourquoi fait. Pourquoi faire à 27 millions? Quand on peut faire à 3 millions. Ah, mais au compte. Il n'y a pas d'imbécile. Il y a un intérêt qui fait intérêt. Ça. Comment tu as voulu pour un président de la République, Alphon, arrêter pour libérer un contrat? Pas pour arrêter un conseil des ministres, pour un secteur, comme Zingadou qui va marcher, un grand problème. Mais c'est pour libérer un contrat, oui. Parce que Bagayla dit. Grand intérêt. Bagayla dit, c'est pas pour nous. Bon, on voulait libérer. Pour contrôler les élections à venir aussi. C'est libérer le matériel du système national d'identification. Donc, ça veut dire que je vous dis, à moi, penser, il y a deux bails qui posent. Premièrement, au niveau de députés, je pense qu'il y a pas de documents dans main, et le ça. Jean, je te dis, si vous n'avez pas joué le jeu institutionnel là, les jeux là, il n'y a pas de jeu. Parce que pratiquement, moi, je ne crois pas que
m'bagade l'autre dossier mercenaire, m'bagade l'autre dossier de Saint-Palais, de Garimondo. Ça a pu plus, oui. Oui, non, ça a pu clair, parce que la loi est là. Les siens, oui, côté le président signé, président rentré directement là-dedans. Parce que habituellement, il est toujours très difficile, oui, pour jouer une violation constitution, c'est président directement. Parce que le président, il quittait l'initiative. Ah, mais là, il a laissé trace et non, là, c'est lui qui fait conseil des ministres. Alors, moi-même, moi, j'ai dit, un président qui était qu'à essayer de retirer quoi, il était qu'à faire un conseil de gouvernement. Oui, et puis, il quittait bah, le ministre de la responsabilité. Voilà. Mais, surtout que madame, on la donne. Parce que ce qui est arrivé avec la première dame, c'est que là, là, en France, et nous-mêmes, dans le contrôle, là, nous avons. Trois fois. Là, en France, trois fois. Mm-hmm. Là, le 10 novembre, son bail qui est extraordinaire, il retournait dans la mi-novembre, il retournait le 28. Et la première dame l'arrivée, nous interrogeons le directeur Lonien. Directeur Lonien, alors monsieur son nez qui tape vivre à l'étranger, il y a des pratiques dans le système là, il ne connaît pas. Nous dit monsieur, et qui est-ce qui a le droit pour signer un contrat si on va faire appel d'offres? Monsieur dit, non, je suis accompagné de gros autorités. Et puis, nous dit monsieur, qui autorité? Monsieur dit, la première dame. Tout sénateur, il est en mouéco de la majorité. Et puis, clop, il faut huit clos. Huit clos. Parce que ça, monsieur. Il y a le GMMC. Il tue monsieur, qu'on y a après huit clos, hein, monsieur retourne. Bon, on nous dit, monsieur, comment vous avez fait huit clos? Qui est autorité qui accompagne? Monsieur dit, première dame, là, c'est un avion, m'te ouel, oui. Je dis, monsieur. Pour ouel, l'avion, et puis ça, on te met à dire. Ouel, l'avion, et pour ouel. Il dit, non, t'es un avion. Qu'on a qui dit, non. Que sénateur fait tirer. Et pas un avion. Nous avons une photo, là, voir l'autre bois. Il dit, oui, il était pas son jour. Mm-hmm. Maintenant, nous venons rester sous question parce que nous avons dit que nous pensons nous pouvons vérifier nous-mêmes. Et le lendemain, la première dame a fait sortir une note pour dire qu'il n'y a jamais de là. Mais sa première dame n'a pas de connaître, c'est que nous-mêmes nous avons gagné l'information parce que c'est lui qui mettait sous Siflia, lui mettait GDA. C'est bon vidéo. Hein? Mm-hmm. Donc nous mettons dehors tout GDA, tout côté que la première dame lui-même était là. Donc, okay. Deuxième question à Vivozo, c'est question de sécurité nationale là. Et, tant que les grands produits, ils vendent, mais c'est entre les États. Par rapport à polycarbonate, qui lui-même, n'importe qui entreprise qui a fait impression quantique, qui a accès à elle. On s'ouvre le mode de sécurité tout bon, il faut faire choix de produits qui allait vers l'État au lieu où tu apprends polycarbonate là. Mm-hmm. Et qui sont qui répondent sur ça? Sous question technique ça. Alors, sous matière qui va le faire 4 là. Uh-huh. Yo dit gain maçonnerie tercile et telle chose tercile, mm-hmm. C'est pour les États que vous vendez pour un bon niveau de sécurité qui pas saute dehors. Tandis que polycarbonate là, n'importe quelle entreprise qui a impression 4 digitalisé, numérisé, capable d'y accéder à lui-même. Okay, est-ce que vous avez une information sur ça? Je dis 4, ça, c'est un test s'il fait. 4, il va le faire là? Non, polycarbonate. Lui. En polycarbonate? Oui. Non, au niveau de sécurité, 4, ça, qui gagne 10 chiffres là, je vais te dire, sous gagner un système Internet, facilement qu'on entre sous données mondiales. C'est ça, Mabdou, là. Hein? Alors, sur l'État, il s'est fait choix. Oui, justement. Oui, l'État, il s'est fait choix. Il fait choix de polycarbonate. Il fait choix de polycarbonate. Ça qui, ou on a dit sécurité nationale, oui. Moi, c'est ça, insécurité nationale. Mm-hmm. Vous non, justement. Vous n'avez pas information moi, j'ai information. Dossier. Non, moi, non seulement, il y a deux bails, nous vérifier dans la carte là. Mm-hmm. Nous faisons un expert vérifier comment il y a monté sous données. Parce que là où il y a une carte là, qui a toute un peu de spécificité en rapport à la commune, et département, l'ONU quand même te font travail oui. Que je pensais qu'il était correct. Parce que yo te prend des dispositions et ces mêmes dispositions, ça, dans pile pays en Afrique, yo appliqué pour référence là. Pour pas entrer dans le numéro monde, comme ça. Mais avec 10 numéros aléatoires, remarquez, ou pas gagne aucune référence qui protège. Mm-hmm. Et deuxièmement, justement, c'est polycarbonate, ça que toute entreprise a utilisé, yo prend. Donc, ce qui veut dire que le contrat à 27 900 000 dollars vient fait, ou t'es capable de penser c'est pour sécurité? C'est pas ça. Yo refait toutes données, yo pas oublier à travers ça. Non seulement quoi bla y a fait, mais des questions élection. Parce que nous pouvons voir la même là. L'élection, pas oublier t'es un système à deux. Je me dis que nous parlons comment élection va le faire là. On va t'es un système à deux. C'est ça, j'aime. Côté que même pour te conserver données, c'est juste au Mexique que t'es à conserver. Mm-hmm. Tellement yo pas voulu que mon entrée là-dedans. Mm-hmm. Après, c'est en 2012, yo vient mettre ici. Côté que yo vient protéger.
jodi mais qui train à grande vitesse tout pas ba une population de 8 millions moun quand là en étant record imaginons que il y a 250 000 moun qui inscrit dans système là élection de supposé faite dernier dimanche octobre et là on t'a fait là là on t'a fait ça pour que toute crise ça yo pour t'a dit que yo t'ai connait comme si pas t'a gagne élection donc jodi a arrivé dans situation que yo pas même qu'à atteindre même gagne un million quatre là il a pas atteint jusqu'en 2020 oui non ça va mon yo rel en pile je mon et c'est pour ça me penser que voilà mes photos yo côté que yo t'ai accueilli première dame là oui moi li en France avec ambassadeur de France hein ambassade d'Haïti mais côté yo t'ai prend li pour que yo t'ai mes côté que première dame là lui même il était à Cannes mais côté il était à Cannes mais première dame là mais directeur l'ONU ouais la première dame participe à la conférence sur la Cannes la première dame à la conférence ouais. Mais côté lui un souci lui et puis il voyait dire le patron il voyait dire le patron mais c'est Haïti donc nous monter dossier ils sont dossier conseil à mon nous remettre à Sénat nous remettons un dossier conseil à chambre députée et me féliciter et organise droit de l'homme yo NDDH qu'on a les tout qui au même jouer rôle vigilance yo puisque Sénat a un rapport qu'il fait et le Sénat quand même ça quand on assemblée politique et yo même yo mené enquête yo à côté de pas Sénat et le regarder justement yo abouti à même résultat côté premièrement yo violé la loi sur passation de marché l'article 200 de la Constitution l'article 136 qui dit le président est responsable de la bonne marche des institutions oui. Et c'est le président qui pourra arrêter pour dire pas occuper pour des comptes hein? Le président a violé la loi du 1er juin 2005 qui dit mais comment pour faire carte il a ordonné pour faire l'autre carte et on l'autre gens et la question de la corruption puisque le transfert est en fait par l'Afrique du Sud et troisièmement que Cour des comptes lui-même l'y saisit de ça pour demander l'annulation. D'ailleurs, c'est Cour des comptes qui a demandé l'annulation contrat, qui signe avec Dermalog. Et m'a écrit tout, et le Congrès allemand et le Parlement allemand pour me dire, mon compagnie, qui a un contrat dans elle, que vous dites, il faut une institution qui signe, elle passe, elle commence à faire là. Illégal. Ah oui, j'ai écrit à travers l'ambassade d'Allemagne et j'ai écrit directement au Congrès, par le président Parlement pour qu'on réponde nous, mais nous avons dit, nous gagnons, non, compagnie la carrière qui a violé la loi parce que dans la règle Union européenne, yo, ou pas de droit d'entrer dans le pays. Ou pas de droit d'entrer dans le pays pour le travail sans que vous ne respectez la loi institutionnelle. Et Haïti fait partie de la CIA. Donc c'est contre publicité oui, l'Afrique pour la compagnie. Pacifique. Donc, dans ce sens, et c'est après, nous venons apprendre que Dermalog, ils font mauvais travail. Et Niger, ils ont été coup déjà. Non, travail ça. Donc c'est peut-être ça nous écrit et nous avons une réponse justement du Congrès allemand. Qui ont même en général, ils ont toujours été dans la région, parce que le dossier à l'île pas national encore. Son dossier côté identité, je sais qu'on regarde aujourd'hui à Haïtiens qui depuis 2004-2007 KPC font travail identité. Nous retournons à zéro, parce que et c'est quand on regarde leur fait 4 là, 4 qui n'ont mon pas valable. Alors que son 4 quand même qui te permet une certaine évolution, puisque. Okay. Moi là on est là après ça tout les représentants des populations en aspiration dans mes on allait sur le côté pratique et opérationnel de quand ça certaines institutions prennent les jamouna certaines l'autre par recevoir qui gens pour population conduit tête qui comportement population non légalement même ces sénateurs est-ce qu'on peut pas camper pour ces sujets là non est-ce que même le Sénat n'a pas capable à défaut de faire ONI camper mon taguin doit faire institution entreprise là yo cap gain pour servir avec carte là avec bénéfice carte là pour ta faire camper pour dire le 30 ça pas valide ou pas valable le 31 mai nous remettra pour le Sénat et on la première conclusion c'est camper avec processus ça parce que pas aucune institution qui t'a supposé prendre carte ça pour nouveau carte là parce que on loi c'est ça la démocratie nous on loi 1er juin qui dit mais qui cadre qui valable dans le pays a et yo fait loi le 1er juin 2005 en 2008 yo t'est annulé attendez bien oui préval pour arrêter d'application de la loi du 1er juin 2005 l'annuler 4 DGI NIFLA il dit à partir d'aujourd'hui c'est 4 ça qui valable pour toutes les transactions donc il y a loi 2005 là qui te prévoit que pendant tu as fait 4 là, en 2008, le président Préval a pris un arrêté d'application. Donc,
Depuis 2008, son seul carte qui est valable. Carte qui gagne 17 chiffres là. Wow. Donc, que ce soit la banque. Oui, il n'y a pas abusé population. Non, il n'y a pas abusé population. Et où on s'accrivait, c'est en connaissance de cause. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas de compte ça, puisque vous voyez un projet de loi? Il y a compte ça, vous voyez un projet de loi. Qui n'est pas passé. Projet de loi. Qui n'est pas passé. Alors, il faut qu'on vote. Il faut qu'on vote. Et puis quand même, il y a un entré bagaille en application. Parce que il connaît que il n'y a pas de café, quatre là, ça, il n'y a pas de voyer projet de loi. Mais projet de loi, il y a certains problèmes, il y a été soulevé. Il n'est pas passé. Et qu'on y a, il fait quand même. Son bonne violation. Ça, il est imbroglio. Donc, c'est violation de loi en vigueur là. Il hein? Fait même bagarre là avec coup des comptes. Coup des comptes, oui. Puisque vous dites son bas sécurité, pas vous le coup des comptes, sous vous il. Alors, ce qui c'est que monsieur Antija, je comprends, ministre Fortuné peut-être qu'il a agi. Alors, ministre Fortuné, moi, je viens de parler avec la brille, mais la sécurité nationale, ce n'est pas la Cour des comptes. Ouais. Sécurité nationale concernait la CNMP. Ouais. Sécurité nationale, c'est l'idée déterminée, est-ce qu'il m'a fait appel d'offres publiques. Appel d'offres restreintes. Mais ça en l'air. Depuis en l'air. Oui. Ça a son bagage qui concernait CNMP. La Cour des comptes, que c'est sécurité nationale, que c'est pas sécurité nationale, constitution dit. Faut le document. Faut le document et faut le bagage à ville. C'est ça. Donc, et sous solliciter, c'est ça, on va demander. Et sous demander là deux fois. Ouais. Donc, moi, c'est le cas le plus flagrant. Le cas qui montrait non seulement des violations de la loi, des corruptions dans l'État. Et il n'y a aucun respect des institutions. Parce que. Mais corruption en général, il faut. Ah oui, non. Il faut regarder les spécificités. Parce qu'il y a au moins 25 chapitres dans la corruption. Comme si nommé acte. Ah oui. corruption. Là, non. Mm-hmm. Si. Oui, moi, ça dit. Pour nommer acte de corruption, il y a au moins 25 dénominations. Ouais. Donc ouais. Vous dites général. Corruption en général. Général. C'est ça. Parce que. C'est dans le cas de Malouk, là, nous gardons violation constitution, violation loi qui fait, nous gardons corruption, mais pour moi, j'ai essayé de garder et de parler avec un peu de monde. C'est la première fois dans l'État, le président et la première dame sont directement accusés. Oui, c'est la première fois, moi-même, j'ai écrit. Pas quelqu'un physique, non, pour sauter. Il était ambassadeur au Venezuela, il a écrit sur les premières dames de 1940. À 2000, ambassadeur Erard. Jean-Aubert. Mais moi-même, j'ai essayé de garder ces premières fois pour la première dame qui entrait directement. Alors, Yoel, la question. Et pendant Yoel, la question, il n'y a pas fond repli comme si vous. Il est invisible et même plus visible. Plus visible. Mm-hmm. Et deuxièmement, quoi est que le président de la République là, l'intervenu directement dans la question. Le plus souvent, le président de la République est caché, son ministre qui a agi. Ça, c'est arrogance et provocation. Monsieur le mineur de l'administration, il n'est pas capable de répondre à un acte administratif. Exact. Donc, moi, je crois que le cas de Amalog, c'est le cas qui pouvait l'administration. Et pas oublier, Petro-Caribé était commencé en 2008, il est fini en 2018. Mais de Amalog commençait avec le président Jovenel en novembre 2017. Et jusqu'à présent, la continue. C'est-à-dire, c'est pendant l'administration que l'irrivé. Et là, on a assez. Ok, c'est ça y aurait les hautes coups de justice. C'est ça les hautes coups de justice. C'est lui. Vous avez dit c'est pendant exercice fonction. C'est-à-dire le président Jovenel qui l'a, il gagne haute coup de justice pour les actes commis dans l'exercice c'est de sa fonction. Ça c'est Dermalogue. Mais il y a tribunal de droit commun pour Pedro Caribe. Ça c'est pas gagné avant le président. Citoyen. Donc son président, il y a à gauche libre, la droite libre. Et nous entendons dire un mot là, président pour moi. Le gen député sénateur qui vont côté, il faut gen lucidité pour comprendre. Gen doit gonjou calme. Mais c'est ça qui fait le président. Le président n'a aucune marge de manœuvre. Le président ABC là, fait pas son gouvernement pour une seule raison, Jamona. Parce que le président a besoin de prendre COB FMI. Mm-hmm. FMI, pour le bail COB là, il faut un parlement qui ratifie le gouvernement. Le président t'a parlé pour l'éternel deuxième lundi de janvier, pour le mettre au gouvernement. Mais toute communauté internationale l'a dit, attention, n'importe qui gouvernement qui va gagner à Val-Balman, nous ne pouvons pas beaucoup. Donc, président. Il faut faire le jeu de institutionnel. C'est ça, le président. Comment le gouvernement, et que lui provoquer en dans Val-Balman, en dans majorité de l'Alba et ce gouvernement, Jamona, il va gagner un peu de chance pour le passer. Yeah. Donc,
Le que vous provoquez ça, puis le président passé au deuxième lundi janvier, il va avoir une chance, le chambre député a l'étier, c'est là. Mettez-le ou non. D'ailleurs, pas qu'à diriger par décret, parce que dans le Sénat, après le 19. Après le 19. Après le parti, et le gain ça, vous devez faire élection pour compléter. Mais la deuxième chose, c'est que le président, quoi qu'il pense, il va le tabac jouer pour le râler souffle, alors pour le gérer, le même j'ai géré là, c'est extrêmement difficile. Parce que le président, en montant ce gouvernement, bah, qu'on est chambre député, mais au niveau du Sénat, c'est la pagaille. Oui, mais sénateur, la tortue. Oui, on est encore. Depuis sous pour le premier ministre, là. Depuis sous non la presse, là, on ne connaît pas la même position avec et pouvoir constituer tant que même puis sénateur. Le côté représentatif fait demander soit asphyxier le gouvernement, soit asphyxier l'État, tout. Un cadeau d'un principe pour l'intervenu. Qui côté de Bralé? Je suis bien content de vous poser question ça. Moi-même. Côté de la privée, surtout. Je m'en ai. Je dis c'est Joseph Labdou. Où vont-nous? Regardez, moi, je préfère bloquer l'État au lieu qu'on blab dépenser comme ça. Moi, je préfère bloquer. Non, c'est des choix qui. Son choix qui fait. Oui. Parce que on prend la caille. Ou pas caille morale. La caille. L'État, son gros principe moral. D'ailleurs, ils sont personnes morales détaillées. D'accord. Oui. Gagner 500 millions de gouttes qui dépensaient la Tibonite. Moi-même, moi, je t'ai dit, il faut que nous rangions canal, nous fassions tout le bail. Dans la caravane. Mais 500 millions dépensés, c'est un résultat positif, non? Et puis, quand il y a un gladine, il a besoin de la paix pour le dépenser l'autre milliard. Donc, moi-même, je ne comprends pas la paix ça. Parce que, premier bagage là, il n'y a pas de bon résultat. Et je dis à moi, dans une situation que l'offre a un déficit. Déficit en tout, il y a allé environ 50 milliards de gouttes. D'ailleurs, ou quand ça remarque, c'est déficit qui fait comme là, les conseils. Certainement, c'est quand on boite là. Il y a plusieurs autres causes, mais ça a tout. C'est quand on boite, il y a 100 dollars américains, il y a 500 dollars haïtiens. Donc, un dollar américain à vos 5 dollars haïtiens. Mais si on mettait gouttes là-dedans, on va mettre dollars. Donc, quand il y a dollars, on va venir plus fort. Ça va arriver, non? Le président Jovenel Mini, il mettait 50 milliards de gouttes dans le goutte là. Et pendant ce temps, il va recevoir un goutte de l'étranger. Il n'y a pas réduit la balance commerciale déficitaire. Au contraire, la balance la montée. Donc, le goutte là est allé. Pour y a, est-ce que je dit, il n'y a pas oublié, non, quand il a quitté fait forme, il a de budget criminel. Il a voté le président Jovenel, lui, pour des malchances. Pour qu'on y a l'offre garde ou un budget ça. Le budget a fini, il a pris une croissance de 5 combien? Une croissance négatif. Est-ce que aujourd'hui on va le dire même nèg ça bon bal la paix pour le vol l'autre comment c'est ça qui vient arriver là aujourd'hui et me comprendre situation côté vous dire il faut que ou rive au gouvernement capter même gouvernement travail c'est ça le doit faire mon ou gain pendant un temps là que c'est des mauvais contrats un déficit budgétaire des dépenses moins des cadeaux somptueuses de départ de monde qui a parti mais qui pas porté rien sérieux et je dis à pour moi, rebattre l'autre budget, en l'autre gouvernement, parce que, je dis son président élu, pour moi, rebattre, pour qu'on y a, mon yovine plus pauvre. Parce que le président, je venais le monter. 1000 gouttes, chaque haïtien a gagné 17 dollars dans la poche. À 1000 gouttes là. Je dis à 1000 gouttes là, et 10 dollars. Donc ça veut dire que mes pouvoirs d'achat qui diminuent, alors que pas gagné en augmentation de salaire. Donc tout le monde vient plus pauvre. De déficit budgétaire, ça, de 50 milliards, c'est tout poche haïtien, je dis, qui paye conséquences. Donc, li anormal. Bon, je dis à la, qui gouvernement nous gagne? C'est Jean-Michel Lapin? C'est Jean-Michel Lapin ou bien l'autre Michel? Michel William. Justement. C'est que. Pourquoi nous j'aime dans casse là déjà? Grand pile jeune garçon en général, je vais être coquin président Jovenel Doué. Pas oublier, me dit tout à l'heure, que le président est venu qu'un gouvernement Lapin jusqu'à janvier. Il y a eu une balle en pression, communauté internationale là. Le 29 juillet, elle fait tout à qui on a même coup. Il a rencontré le président, le 28, le 29, Lapin démissionné, il y a eu tout le monde pour satisfaire l'exigence là. Mais pendant vous et là, où est-ce que Lapin a arrêté là? Parce que je dis à quelle est la différence? Le premier ministre et William. Alors, on n'a pas analysé au point de vue légal. Il est nommé. Oui. Il est premier ministre.
Parce que autrefois, pour tes premiers ministres, ils ont été ratifiés pièce. D'abord, avant qu'elle t'ait sorti dans le journal officiel. Avant qu'elle t'ait sorti. Arrêté. Je dis à y retirer parti ça. Oui. Donc, il est nommé. Il est-ce, qu'il a, est-ce qu'il a accès au compte public? Mais c'est là, dans ça, le bras. Est-ce qu'il est privé dans ça? C'est ça, en gros. Là. À partir du moment et que lui-même est nommé comme premier ministre, au moins, premier ministre et Lapin, qui démissionnait parce qu'il démissionnait. Comme premier ministre, que y'a et ceci par lettre. Et ceci par lettre. Oui. Donc, je dis à au moins premier ministre là, premier ministre qu'il a, William. Michel, il doit gagner lui-même avec gouvernement. La haute main sur l'administration publique, exactement. Les fonds, les financements. Mais y'a pas fait, parce que premier ministre Lapin, c'est l'homme toujours du président. Et je dis, il n'y a pas aucun ça veut dire c'est à contre-cœur qu'il est obligé de retirer l'homme de pour le faire. Monsieur Deblé qui a béqué sur ça jusqu'au deuxième lundi de janvier. Okay. Il n'y a pas de voulu arriver là. Okay. Son pression de communauté internationale là. Parce que il a pensé que si il y a un gouvernement à partir du deuxième lundi, il y a un gouvernement comme ça. Et il n'y a pas de goud qui a sorti de taxes pour venir un gouvernement qui n'a pas gagné légitimité parlement. Et à partir, donc, situation ça a quitté là, c'est dans deux mains, monsieur. Il y a pour essayer de passer pour prendre un là. Mais en même temps, tout, comme qui là, Nigeria, il faut nous gérer. Parce que pas aucun contrôle, non de quoi qu'on fait là, qu'on y a là. Aucun contrôle de gouvernement, aucun budget. Parce qu'on pas carré les. Pas ni budget. On pas carré les. On pas carré les mounio. Non, nous pas carré pas budget. Son budget reconduit. Oui, mais. Donc, les dépenses. Alors, c'est son budget. Bon, bon exemple. Bon, bon exemple. Il continue à faire. Bon exemple. Si son budget reconduit au marais, le budget reconduit à la Constitution dit qu'il faut reconduire au 12e. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on vienne un nouveau budget. Oui. Bon, je vais l'expliquer. 17-18, toujours en vigueur. Il y a un corps de fonctionnement pour acheter un grès pour la Tibonite. Dans le côté de ça, vraiment. Un corps pour aller. Donc, comme là. Donc, budget reconduit. Bon, qu'on y a, sa président a fait, comme ça, il n'a pas utilisé, il a fait toute organisation à le prêter comme dans le BNC. Alors que l'État est un cop disponible pour eux. Si son budget est reconduit. C'est l'État qui a endetté tête lui ou bien? Non, l'État en bas de lui fait endetté. Mais comme ça, il a utilisé dans la manifestation dans l'autre bagaille. Et ça fait nous dire, organisation, yo, que vous prenez un cop qui sortit l'État bah, yo, à travers BNCA, vous ne pouvez pas vous mettre comme ça. Parce qu'il était déjà prévu dans le budget, cop pour eux pour subvention agréa. Donc ça veut dire donc, que. Donc l'État a tamponné d'être ça qui fait auprès de la BNC. Oui, parce que l'État est grand une provision. Dans le budget reconduit pour acheter un grès. Alors, on te dit, est-ce qu'il y a la main sur l'administration publique? Je pense que c'est la peine toujours gagne. Non, c'est la peine, premier ministre. Mais est-ce qu'on dit même que y a des dépenses? Il y a un cortège avec la sécurité. Non seulement ça, mais c'est à l'hôtel pour lui. C'est à l'hôtel. C'est-à-dire que nous avons une suite de gouvernement. Bon, ça. Je ne l'ai jamais été à citer dehors. C'est beaucoup plus grave. Il y a une suite. Vous savez, je ne l'ai jamais été à citer dehors en 91. Le gouvernement que nous avons fait, l'État, oui, oui, financé oui, oui, le oui, pays. Oui. Mais, au Venezuela, payer tout le ministre. Là. Le Sahara, quand même. Est-ce que c'est la situation ça, que nous là? Une situation de double gouvernance. Où t'es les fonds. Est-ce que nous avons une double gouvernance? Où t'es les fonds de la téléco. C'était pour avec l'OTP. Que l'OTP. Je veux dire, ces petits fonds, ça, qu'on a là, qui sont dans la douane à déjeuner. Laisse-moi dire au chef sécurité de Valais. Non, on ne peut pas la laisser. Il faut taille la clé. Il faut taille la clé. Alors, des gars, ben, il faut taille. Moi, je vais te faire une photo ça. Et M. de ministre de police. Si je vais te faire une photo ça, je vais te faire une photo. Oui, donc, c'est notre. Moi, un broglio là. Est-ce qu'on double gouvernance? Non, qu'on double gouvernance. Constitution ne prévoit pas double gouvernance. D'ailleurs, comment on peut t'appeler? D'ailleurs, anti-constitution dit. Non, t'es contre double présidence. Il dit que l'on mettait un gouvernement pour régler les affaires courantes, il n'y a pas qu'à dépasser 30 jours. Ouais. C'est la première fois que la Constitution, bah, on date. On nomme de jour, il dit qu'il n'y a pas qu'à dépasser 30 jours. Donc, le ministre qui était là depuis Soussé, 17 mars, depuis 17 avril, il n'y a pas qu'à arriver là. Il n'y a pas de carité. Donc, il y a des comptables de fait. Et dans le comptable de fait, ça, il y a des comptables de droit. Quand il y a un comptable de fait. Et le comptable de fait, là, il est beaucoup plus compliqué pour la Cour des comptes. Parce que le nègre n'a pas aucune légalité. Normalement, il n'a pas supposé signer rien. Mais devant en réalité, il a signé chaque jour. Bon, l'État évoque la Cour des comptes, ça, quelque temps, là. Est-ce que procédure continue à suivre, sénateur? Alors, on va le garder pour voir si procédure publique. Ça ne pas déranger.
Faut se dire on continue dans ça pas déranger oui, parce que normalement mais c'est dans Petro-Caribe a demandé OEA vos émissions viennent faire travail pour des comptes faire parce que normalement dans la question dans cour des comptes ministre ça yo pas supposé qu'a engager l'état dans nouveau contrat dans le bas et cour des comptes d'ailleurs pas venir soutenir au devant d'ailleurs justement il pas venir même budget il pas venir soutenir et ou question de accord là il a accusé parlement accord Taïwan que vous dites électricité électricité mais président bien connaît que c'est ministre travaux publics affaires étrangères et finances qui vous soutenir contrat ouais. Parce que actuellement dette l'état haïtien nous doué Petro-Caribe 1.9 milliards nous doué Taïwan 100 millions nous gagne 150 millions sur marché international là ça veut dire que nous gagnons au moins 2 milliards 150 millions que nous doué qui fait que l'État a retiré en dans budget 22 milliards de gouttes pour payer chaque année dette. Là où le président dit, au quoi qu'on en bas, si aussi il y a un bail courant, d'ailleurs, ça n'est pas dit, l'autre jour, il y a l'électricité. Je dis, la ville, il dit, sa présidente, il dit, c'est. Je vous monsieur. Bon, non, il a été annoncé ça. On a bu encore, pour des comptes de réagir sur ça. Parce que si il y a là où le président dit, et le président va dire. Non, moi, je vous dis qu'on a. Le président va dire, rien de préparé. Et puis. Qu'on est à président, il faut un contrat de 150 millions de dollars. D'ailleurs, moi, le problème là, il faut un contrat de 150 millions. Mais accord là pour installer équipement, finir travail dans le réseau, il est de 111 millions. Donc, et dans l'accord là, il dit qu'il faut 150 millions pour le réseau. Donc, on croit que je ne connais pas. Ça, c'est le premier bagage que tu as dit. Mais, problème fondamental, là, je vais expliquer là, j'ai mon a déjà. Le président n'a pas de possibilité pour faire économie comme là, en avéant, il a le prêt ton corps. Parce que nous te permettre que le président arrive pour que, sous contrat actuel, il que l'économiser 75 millions par année, qui t'a balle 150 millions. Donc le président n'a pas choisi d'économiser comme là, et puis il met ton contrat devant, soi-disant, ou là pour approuver, et c'est ça que fait. Bon, comment mon cas le président, le désigne à 2 ans, la baille courant, qu'on y a li babayli, qu'on y a dit c'est à quoi ça qui fait le baille courant. Alors que 2 ans, l'LD dit 2 ans, il va jamais parler de l'accord. Donc, dans ce sens, moi, je crois que, j'en se dit à l'heure, un parlementaire, normalement, le bon gouvernement, ou t'as supposé plus actif, d'ailleurs, ou a voté loi, ou a contrôlé, ou a ratifié l'accord, mais ou non, situation, je dis à que, ou bien l'impression que tout ça qu'a fait, c'est des bagailles qui pour entraîner la mauvaise gouvernance. Dysfonction, ou entrer dans le dysfonctionnement. Ou entrer dans le dysfonctionnement, l'État. L'État. Donc, dans ce sens, ou pas qu'à courir faire bagaille comme ça, et ni permettre que le pays a vienne plus endetté. J'ai l'impression, en plein du temps, pas même. Je vous prends l'autre mandat de sénateur déjà. En plein du temps, pas même, ou tellement ces batailles de la périphérie Europe menées, ou pas menées batailles, c'est d'ailleurs. Non. Mais c'est pays. Mais même les batailles, c'est là au niveau contrôle. Femme du premier madame de plus qui au niveau de loi CSPJ. C'est ça, absolument. C'est ça. Mais qu'on y a. Depuis productif, d'abord. Non, moi, je. Oh non. Ouais, rapport, yo, rapport, on va passer le. On va passer le. Non, pas passer, comprends. Ah oui. Non. Non, les statuts, ça, moi. Alors, les statuts, pas gagner rapport à Sénat. Mais dans le mandat, ça, moi, présentons la loi sur le crédit étudiant. C'est ça, on va regarder, là. Mais moi, je te dis restant, c'est pour le contrôle. Fait Petro-Caribe, Dermalog, actuellement, nous sous question franchise et contrebande. Qui va le sortir. Ça travaille quand même. Oui. Travail. Non, je ne dis pas le peuple travaille. Non, c'est l'emploi du temps. Le temps parlementaire. Non, le temps parlementaire. Temps parlementaire, là. Il n'est pas dans la séance. Non, c'est pas dans la séance. Mais le travail. Tout rapport, ça, c'est tout. Non, je comprends bien. C'est comme si un fonctionnement irrégulier. C'est clair. Et c'est ça que les c'est clair. Moi-même. Mandez président Jovenel, s'il n'a travail président. Oui. C'est pas fait base, géré politique. Il n'est pas dans le travail président. Et le président n'est pas dans le travail président. Il est difficile pour notre travail. Ou même où est le ministère au campé? Mais écoute, tu as fait. Ministère au campé, littéralement. Même ça l'air. Mais ce qui arrive. L'État a campé dans le fonctionnement. Dans le rapport d'affaires, là, tout. Il a commencé à 80 000. Il y a 80 000 employés. Malgré où est toute question, ça. Nous, à 90 000, oui, là, on a dit. Ah bon? Oui, au niveau de l'administration publique. Ah, mais il y a 68 000. Nous dépassons. Qui chiffre vous gagnez? 90 000. Il y a 80 000 en l'heure, l'heure, fait quoi? Là, je dis, il y a 90 000. Et si vous regardez bien, ou après, toute nomination faite,
par exemple, pendant le temps, Jacques Lafontaine, t'es démissionné de l'IACA. Ou après, grand pile nomination qui fait là, pendant le temps, ça là, de CA. Donc, nomination. Qui fait. Et ma PAM, aller dans la retraite anticipée. Bah, départ volontaire. Départ volontaire. Tout simplement parce que tu dit l'État a gagné trop mon là. Ah. Donc, à partir de ce moment, on voit que l'État est réduit à 45 000. Oui, parce que je dis. Mais si nous doublons le sénateur. Au sujet, c'est 45 000. Si nous doublons le sénateur. On garde en bagaille. L'État n'est pas plus productif. C'est ça le bagage plus. Non, mais on garde en bagaille. Ni président, ni premier ministre. On est que recette interne. Il n'y a pas dépassé, disons, 70 milliards à 80 milliards de gouttes. Ça, nous-mêmes, comme contribution, nous portons dans le budget. Il reste là. Et c'est 33% lié, sénateur. T'as dit bien, oui? Le budget global, là. Mm-hmm. Reste là, il y a deux ans dans le budget. Oui. Mais qu'on y a, l'organe, il y a un payroll dans l'État qui est 4 milliards. Alors, on dit deux ans, on le prend. C'est pour pas qui l'a, on le prend. Non, non, non. Allez à toi, c'est à dire que c'est ça que fait. On peut une table de concertation, secteur et ONGO, organisation internationale, pour garder chaque année qui organisation qui dit il a financé qui projet à quel montant. Et comme ça, on va garder un contrôle sur lui. Oui, c'est un contrôle sur lui. 70 milliards, la vente 10-30. Qui ça? Ah oui. Oui, l'organe. Ou gagne un payroll là qui presse 4 milliards. Multiplié par 12, bon 48. Oui. Ça, c'est pas des flemmes à bouer pour une internationale là, là, non? C'est vrai. Yuri, monsieur Pavou et Montelli parler. Ça fait clair, c'est un dossier. Mais c'est même Steven. Donc, je vais voir. Je vais faire ça. Faut nous voir si fait ça. Même j'aime t'as qu'à voir le pour, ma voir le pour Steven. C'est à toi, Benoît. Steven, c'est un dossier. Steven, l'elgue dossier, le nom est lui. Non. Le chital de. D'ailleurs, Steven, c'est un dossier. Steven, Benoît. D'ailleurs, ça va nous manquer. Mais salut. Ouais, bonjour. 4 fois 12, bon 48 milliards. Yes. Donc, de qui sont à parler 12? De parler de 70 milliards que nous avons. 4 milliards. 7 ah, ok. 60 à 70 à 80 milliards. 70 à 80 milliards. Qu'on y a, il y a 12 mois dans l'année. Payroll là chaque mois, tout l'État. Il y a environ 3,5 milliards. Non, 3,9 milliards. Soumettez, disons, 4 multipliés par 12, il y a 48 milliards. Oui. Ça, c'est quoi pour bien employer? C'est 22 milliards, nous payons d'être là. Mettez 22 à vous, vous avez 70 milliards. Oui, oui. Donc, je dis à vous. Vous n'avez rien pour faire investissement. Non, mais je dis à vous, on est conscient pour aller monter d'être là encore. Alors, pour ne que monter d'être là, et puis dans l'autre budget, on a besoin de 25 milliards. Alors que recette interne, il n'y a pas qu'à couvrir. C'est payroll là avec dette là, il y a couvrir. Et au grand pays qui a fonctionné, et n'y a voyagé, n'y a acheté machine, n'y a. Donc, on va comprendre. Comment faire? Et nous avons une crise de salaire comment en Haïti. Et comment faire? Spécialiste, même à bord des questions. Spécialiste, hein. Même pour l'État. Parce que chiffre l'État, puis palpable. Conservateur. Oui. Mais l'État était conservateur en matière de salaire. Oui. Ça veut dire une grosse crise de salaire. Ça me plaît beaucoup ça à travers Jamona. Oui. Payroll la ville à 3,9. Mais c'est 3,1 LDE. Les montées sous président Jovenel Lala de 800 millions. Comment qu'a fait? Ou à monter ça, alors qu'on dit qu'on va l'investir dans la production. Mais sauf à l'échelle là, toi, pour que, comme la séance, l'élite, il n'y a pas de son maïti fonctionnel. Oui, ça dit que au congrès salarial qui est disproportionnel. Ouais. Mais je dis à, ou pas qu'un président, pour qu'on ait que, ou besoin d'investir dans plusieurs domaines, pardon, besoin d'investir et puis ou monter, et non salarial, puis ou alors monter, et pour vous monter d'être là. Donc, comment on va le faire justement investir dans la production? Comment on peut le faire alors que le président a monté, gagné environ 4 millions de dollars qu'il n'a diplomatie. Le président dit tout le monde que nous allons réduire à 2 millions. Mais je dis à la, tout le monde, la diplomatie arrive à 4 millions. Oui. Alors, moi, j'ai dit que pour le ministre, ça a bien géré. En diplomatie, côté, il a retiré un peu le monde, il a remplacé un peu l'autre monde. Même si je dis à fond critiquer député, sénateur, tout le monde qui a baillé. Ouais, Cap Founi. Diplomatie, non. Mais, président, est dit, il va réduire. 4 encore. Donc, il retourne à 4 millions. Et 4 millions. On compte combien de le président a monté, c'était 4 millions. Mais si vous voulez 67. Oui. Je dis à 4 millions, mais si vous voulez 95. Parce que c'est comme nous changeons en goutte. Oui, bien sûr. Pour payer. Oui. Ouais. Donc,
et pas même grand politique pour dire que Cob au moins nous rentrer dans Washington dans ce côté nous rentrer Cob un petit Cob dans passeport oui. Pas même grand politique service ça non service. Non comme ça ouais président rete et puis il y jouer autant là dedans bah était là dedans son est grave oui président caisse noire comme ça il supposé rentrer dans budget là président pas budgétisé non. Et même Jean-Pétro Caridé au début. Président Pakaï dit que Baye joue autant dans Kobla, même si Baye joue au Kobla, c'est un bon bagaille. Mais président Pakaï, même comme sénateur, il n'est pas possible, mon président Pakaï dit Baye tant. Ce n'est pas comme privé dans le prochain. Donc, ça veut dire que pour un monde où gérer le pays et où dire le premier bagaille qui arrive, c'est restriction. C'est le jeu institutionnel d'abord, les principes de gestion, les principes. Pour que vous arrivez au côté que son gagnant ou qu'à gérer. Parce que chaque centime compte. Oui, pour faire le minimum d'État. Payer les employés, faire la sécurité, payer les dettes et quitter un peu en contrepartie à ça international là-bas. Sénateur, est-ce que j'ai l'époque sous Préval n'a pas parlé de cadre macroéconomique pays hein, oui. Et que Préval parle de foncer les dépenses parce que. Il faut sauver le cadre macroéconomique qui lui-même dégage plus l'argent à la dole. Parce que je dis à la. Non. Où est passé ce cadre? Je dis à pas quoi que même ministre. Même Petro-Caribéen. Préval pas de trop flipper. Non, non. Il va vouloir se barrer, c'est le pire. Ça veut dire, en voulant être pur. Qui ton bon bagage avant là. En voulant pratiquer le pur, nous quitter gangrène, passer dans tout partout dans le pays. Le président débloqué 197 millions, premier déblocage qui fait là. Mais c'est 300 millions de gains. Et comme cyclone y est arrivé, il était débloqué 197 millions là-dedans. Bon, il y a une déviation quand même avec le ministre Bellerive, il y a une débloqué 400 millions. Alors, moi, je ne viens pas comprendre tout parce que il y a un tremblement de terre. Donc, il fallait utiliser cet argent. Mais, dépensions, il n'y a pas non sens que je me dédie que je visé en état de fait. Parce que ce qui est arrivé, monsieur Okonia, il vient par exemple, n'importe quel cyclone qui vient, il a déclaré. État d'urgence. Et c'est ça qui veut pour le ministre Lamotte. Il déclare état d'urgence 70 de octobre 2012 à novembre 2012 pour un mois. Il reprend fin novembre 2012 à fin décembre 2012. Et puis là, ça, j'ai mon assac passé. Monsieur signe tout contrat net. Oui, normalement ça. Même ça que ça le boit. Même les pétitions pour le commencer en 2013. En 2013, il a mis le contrat à fin novembre. D'ailleurs, tu as une particularité, tu as 120 contrats, ou après tout contrat, tu as marqué novembre 2012. Pour qui ça? Pour éviter appel d'offres. Donc là, tu as une volonté même pour éviter appel d'offres, pour donner les contrats à des amis et pour te faire là, dans 4 ans. Et c'est ça qui fait que, ou après question de Petro-Caribéa, loi d'urgence, tu as lié et c'était une façon pour ne pas jamais occuper question loi de passation de marché. Donc, sur la question des élections, parce que c'est important, ce n'est pas l'élection qui va arriver. Qui l'est non, octobre. Pas octobre encore. Il donne deux ans. J'ai une deuxième copie, en vous copie pour radio, pour émission. Oui, okay. Nous, même d'après moi. Demandez mais, deux, il y a bon mieux, donc ma preuve. D'après moi, gardez le tout, monsieur Rater. Et côté élection, on va le sortir là. Non, même parce que. Si fondamental là va exister, la carte électorale, la sinu. Je n'ai pas même besoin de répondre comme acteur politique. Pour faire élection là, quatre présidents faire. Mais nous sommes dit, il n'y a pas qu'à faire élection avec elle. Pour faire élection, il faut avoir des mesures. Vous avez dit que quatre ça bloqué, je remettre à niveau l'autre quatre pour que moi arrive dans l'élection. Ça prend pour remettre la niveau, comme on a dit, c'est un an. Donc ça prend un an pour remettre le système à niveau, pour faire rescater. Donc le ça, on va l'aboutir en 2020. Et je dis à le pays a réduit à 15 élus. Pour qui ça, je dis à. Pour qui ça, je dis à. Ou t'as pas le fait en élection 2020, 2021, il y a une élection. Ouais, 2022, il y a des sénateurs qui disent qu'il a eu une élection. Non, même parce que là, on a une seule élection dans le pays. On a une élection. Oui, parce que techniquement, on n'y pas même parlé. C'est après le président Jovenel, lui, il a fait une élection. C'est une date de l'élection. Et puis d'ailleurs, quand il y a au niveau politique, président Jovenel. S'il doit faire. Pas de confiance, il dit. Pas aucun parti politique. Je ne vais pas révéler. Pas aucun parti pour aller à l'élection à président Jovenel. Pas de moyens. Comment on peut aller à l'élection, à un monde qui a tenté fraudé, changer le système électoral là, accusé de corruption, comme on va aller à l'élection avec là. Donc, le député, il a aidé nous, Jovenel. Fait qui ça? C'est un jeudi là. Hein?
Non, faut finir avec une note d'espoir. Positif. Non, mais nous pas vendre ça ne pas. Mes chers concitoyens députés, nous avons des pays. Merci, merci.